Alors là, et là aussi, et on va en mettre par là, il y a une forêt. Et dans la forêt, il y a un homme qui marche. Alors la forêt, il la connaît. Pourtant, il est perdu. Il a pris un raccourci pour une route qu'il ne trouvera jamais et le voilà garé. Et la nuit tombe. Et la nuit est peuplée de bruits hostiles dans le genre « ouvre là !» Ouais, bah lui, ça ne fait pas marrer. Alors, il a peur. Il a peur de passer la nuit dans cette forêt, il est hostile dans le genre « Et il appelle au secours. Et là, il y a une petite voix qui lui répond. Qui lui dit « Moi, je veux bien t'aider à condition que tu me donnes ta fille en épousaille. » Oh, il dit « Oh, ça va, je suis perdu, mais pas ce point. Je vais me débrouiller. » Mais bon, il est de plus en plus perdu, il avance, il se tape dans les arbres, il avance à rien, alors il rappelle au secours et la petite voix lui dit encore « Oui, je veux bien t'aider à condition que tu donnes ma fille en épousaille. » Enfin, la sienne. Alors, il s'aime, il dit « D'accord, mais qui me parle, où es-tu ?» Alors la voix lui répond « Regarde le niveau de tes pieds. » Alors il regarde et là, oh, un hérisson. Non mais un hérisson qui parle. Alors le hérisson le sort de la forêt, le ramène jusqu'à chez lui, il y arrive le matin, sa fille l'attend sur le perron, lui dit « Père, vous étiez où ? J'étais inquiète, qu'est-ce que vous faisiez ?» Et il lui dit « Je t'ai trouvé un époux. » Un époux, j'en rêvais ! Est-il fort, est-il grand, est-il bon, où il est ? Il est là. Alors évidemment, il y a débat. Elle dit non, le père dit oui, elle dit non, le père dit oui, elle dit non, le père dit « Va dans ta chambre !» Alors là, elle pleure, et puis le père, lui, va convaincre tout le monde pour le mariage. Le curé, le maire, c'est pas facile à convaincre, que cette fille va épouser un hérisson, mais enfin bon, c'est comme ça. Alors au bout d'un moment, on publie les bancs. Et les bancs, le jour du mariage, il n'y en a pas assez. Parce que tout le monde veut voir ça, le gars du bout du bourg, que pour la fille, il va être plus un hérisson quand même. Et puis le mariage a lieu, alors le banquet avec tout le monde, et puis la table avec le père, la fille, le hérisson. Et puis vous savez ce que c'est les mariages, il y a toujours un marrant, le cousin, l'oncle, enfin celui qui n'a rien demandé, qui au bout d'un moment fait le baiser, le baiser.